Voilà, donc là il y a un intrus dans mon car. Voilà. Dis bonjour à la caméra. Coucou. C'est un abonné. C'est à moi ça. Non, non, mais tu, ta gueule, c'est pas vrai, il dit des bêtises. Hein. Ouais, c'est donc, si vous aussi vous voulez venir avec moi en car, en fait, bah, pour 100 euros, vous pouvez passer une heure dans mon car si vous intéresse. Ouais, faut avoir la money, attends. Voilà. Oh putain, je me casse. Bon, donc là, dans cette vidéo un peu spéciale, on va aller laver le car avec l'ami Joris, c'est ça, hein, Joris, n'est-ce pas? Non, c'est Roger. Moi. Avec l'ami Roger. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que le lavage où on va, c'est un lavage voiture en fait. Donc. Oh, vous êtes un peu plus petit, monsieur est riche. Donc en fait c'est assez technique et donc ça va être sympa. Alors je ferme ma course service précédent quand même, n'abusons pas. Attends, j'ai quand même un mec à quelle heure je pars parce que tiens, autant je suis brûlé dans les services moi. Après on part d'ici à 17h, bah putain, on va maintenant laver le car, hein, bon, ouais, c'est bon. Et notez, le monsieur il est bien et il s'attache. Il conduit mal hein. En plus il fait. Non, c'est un défaut de capteur. Ouais. Tu me prends pour un débutant, sérieusement là? Ouais. Tu prends vraiment pour franchement que je suis. Et ça fait 10 ans que je conduis des cars, hein. Attention, hein. Moi je suis un bon, moi. Moi ça fait. Ça fait rien du tout. Attends, la GoPro, je trouve qu'elle est pas assez inclinée vers le bas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien incliné comme ça ou pas là? Mais pourquoi tu fais pour moi? Parce que c'est pour moi, ça me montre où ça va, tu vois. Comme ça, ça part, ça va. Là c'est bien, là c'est bien. Ça marche pour toutes les vidéos, je vois ça. C'est les trucs de tournage. Non, elle est pas assez penchée, putain merde. Là. Vas-y, arrive ça. Ouais, ça va. Bon, allons-y. Accession. Donc voilà, donc on va laver le car un peu longtemps. Hein, et... Vas-y, dis aux gens que je conduis bien, du coup, on t'écoute, vas-y, parce qu'il y a des gens qui regardent l'émission, hein, le podcast, donc tu peux dire, vas-y. Vas-y, alors dis aux gens que je conduis bien. Bon, c'est pas grave. Au moins, il conduit, c'est déjà ça. Au moins, je fais des vidéos, hein. Oh. Bah oui, ça te dit, on va à Grenoble. Oui, non, mais ça, c'est un levier sport. Et donc, tu vois, je sais pas si vous voyez les gars sur la gauche. Ah non, on verra pas parce que. Attendez, si, on va y voir après. Et d'ailleurs, toi aussi, hein, Roger, si tu veux regarder à gauche, tu peux regarder. Alors, là, tu vois, point P. Ouais. Non, regarde derrière. Ouais. Tu vas voir des trucs bizarres. Oui, des cas. Ça, c'est le dépôt Perro, ça. C'est là où bosse ma copine. Et en fait, t'as vu, hein, ils ont un Cetra aussi, regarde, il est beau celui-là. Ils ont pas les Tapsa, parce que Tapsa, ils Tapsa. Allez, laisse tomber. J'étais sympa. Samedi dernier, j'avais un peu de temps au dépôt de Visil. J'ai pensé à toi et je t'ai fait une vidéo sur comment démarrer un Tapsa. Sauf que du coup, ça a pas marché. C'est bien ça. En fait, la GoPro, elle a planté et ça a pas filmé. Donc, les gars, voilà le lavage où on va laver le car. C'est marrant, on va s'amuser un peu. Bon, il y a un portique de hauteur, hein, c'est bien. Ah bah bien sûr, c'est ce qu'il appelle la piste de découverte. Sauf que comme tu peux voir, bon, c'est quand même un peu étroit. Hein. Bah, faut bien prendre large. Limite tu vas laver dans la voiture et d'un coup tu renvoies. Et là tu vois que t'as pas assez renvoyé parce que t'es con, donc du coup tu recules. Ah ça on coupera au montage, hein, t'inquiète pas, hein, faut pas montrer aux gens que je sais pas conduire. Hein. Sinon je vais faire engueuler après moi. T'es assez proche du pare-brise, c'est marrant. Regarde. Tu peux toucher? Ouais. Putain, quel talent! Oh. Arrête! Hey, oh, t'as fini, oui! Sinon, je te pose, tu n'y as pas. Nous sommes presque, Bobby. J'ai envie de rouler là-dedans. Ouais, c'est bon, Nish. Voilà, sinon, attends, on va laver que l'avant. Attends, deux secondes. Ah putain, j'ai lâché une caisse à mon gars, ça va plus. Hein. Attends, je t'ouvre, sinon, tu vas crever sinon. Ah ouais ça, ah putain ouais ça envoie du steak hein, putain quelle horreur. Ah ça pue.
Donc là, vous allez me dire, comme dirait Roger tout à l'heure à l'instant, dire ouais, mais là il pleut, c'est quoi l'intérêt de laver le car? Alors effectivement, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour enlever le sel. Bah en fait, c'est plus pour vous montrer en fait la manœuvre pour se garer ici. C'est pour ça que j'utilise 2 euros de mon fonds personnel et non des jetons d'entreprise parce que j'ai pas les gâcher pour c'est la YouTube abonnés. Un truc qui sert à rien. C'est, voilà, c'est l'argent des abonnés. Merci beaucoup. Donc du coup, c'est juste pour montrer, tu vois comment ça marche et tout, et voilà quoi. Rendez l'argent aux abonnés, bon. Mais t'as même pas de. Oh, il est là. Bah ouais, c'est bon, c'est gratuit, regarde. Oh le bâtard. Eh, j'ai envie, Zama. Oh. Après, la mise à part pour le sel, c'est bien à faire ça aussi, hein, l'empêche. Hein. C'est là où il y a de la merde, c'est ici, là, y a voir. Ah, forcément, c'est la vérité. Et un tout pas. Ça, c'est bien de le faire tantôt quand même. Hein. Satisfaisant, satisfaillant. Yes, ASMR, lavage, car. Merde, ça m'a clé celui-là. Bon, après, je suis au bout, hein. De toute façon. C'est juste pour vous montrer, bon, on va faire quand même l'avant, c'est un moment à quelque chose. On va moins faire un truc d'utile quand même. Ah, celle-là. Quoi? Et il s'arrête pas, G, c'est pas normal, non, il va s'arrêter normalement. Attends, il y a de la portée, fais gaffe hein. Non, j'ai mon téléphone tout neuf là. Oui, bon, allez, on va poser ça. Bon, bah. Dans cette vidéo était purement pédagogique, hein. L'idée c'est pas de vous montrer, voilà, parce que là, vu le temps qu'il fait, le car, ça sert à rien de le laver, on est bien d'accord. Mais au moins que ça vous voyez un petit peu comment est-ce que voilà on peut. Comme quoi on peut bel et bien laver son car à Bondoisan sans avoir à aller aux dépôts de Visil ou Saint-Égrève. Hein. Bon tu approuves? J'approuve ouais. Ok, on se casse par le dépôt au bureau pour voir un peu leur car, hein. On fait un peu les touristes, ouais, bien, ouais. Allez, allons faire les touristes. En fait, ouais, la suspension en position.
sont hautes parce qu'il y a un peu de fou. Ouais. Mais là, elle est déjà levée là. Ah, c'est pour ça qu'il est aussi haut. Alors après donc ceux qui vont laver leur car ici, il faut quand même qu'ils sachent qu'en fait, une fois que c'est fait, après, il faut avancer étape par étape en fait, après, pour laver le car. En général, avec 5 jetons, ça le fait. L'entreprise distribue les jetons, faut demander. D'accord. Putain. Il y a de la pêche quand même. Hein. Ouais, là, il y a du chevaux. Et tu sens la puissance, hein. Tu sens le V12 là, qui démarre. Le pont 6 cylindres. Voilà, inline, inline. Ouais, donc genre, admettons qu'il faut encore laver le car, bah après t'avances, histoire après de faire la moitié. Voilà, après une fois que t'as avancé, après tu recommences et après tu finis par faire le cul. Pour faire le cul, faut rester... Roger, mon rétro, je vois pas, tu peux dégager, s'il te plaît. Merci, tu seras un amour. Non, genre, dégager quoi, tu vois. Ah, t'es pas mal la vue, là où j'étais. Ah ouais. Ouais, bien surveiller le cabanon à pas taper dedans. Je suis sûr dans le rétro si tu veux rader. On a déjà passé le cabanon là. Bah non, c'est bon, ouais. Ouais, on a passé. Voilà, et là, faut bien rader. Oh voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te faire peur. Il y a un souci, lui, sérieux quoi. Ça va marcher. Ma feinte. Je sais pas ce qui se passe. Oh, viens, on l'arrose, les mecs. Non. Je crois qu'il y a un souci avec la flotte. Bah, je crois aussi, ouais. On a trop bouché quelque part. Ah, punaise, ouais, c'est clair. Ah. Je sais pas si j'ai réussi à lui faire peur en sortant dans son bus. Non, parce que tout le monde sait que j'accroche jamais, moi, les cas. Ouais. Bon, donc là, après, si ton car tu l'as réellement lavé, ce que je fais, ça va pas faire. C'est-à-dire que tu vois, tu laves ton car et juste après, tu vas sur un truc pourri plein de terre, quoi, tu sais. Du off-road. Et tu crois que ça patine sur la terre comme ça ou quoi? Voilà, en première peut-être. Attends, on va faire un test. On coupera au montage, mais bon. Il est mignon ce train, moi j'aime bien. Ouais. Non. Il est à fond, hein. Allez, la neige. Ouais, il part un peu, mais c'est pas non plus. Voilà quoi, tu vois. Ah oui, ça va être une trace pas mal. Oh, les traces. Oh putain, les traces de bâtard. C'est marrant, non? C'est drôle, ouais. Tu veux bien les traces là? Attends, vas-y, ouvre ta porte, tu vas aller voir là, juste. Là, on a perdu à peu près un millimètre de gomme de pneus. Ouais, du ice grip qui est mort quoi, là. Les bus, genre, je vois un Iveco, je sais pas ce que c'est. Bah, en fait, ils ont un peu de tout ici. Ils ont normalement, ils ont deux crossways, ils ont. Mais c'est PRO, c'est pas VFD, même si la livrée. Ouais, c'est pareil. Non, tu sais pas bien, hier quand je suis allé à Genève, il y avait un Magélis, donc aux couleurs région, ouais. Mais région partenaire avec la ville de Genève. Okay. Bon bref les gars, donc c'est la fin de la vidéo, voilà, donc on vous embrasse fort, hein, et puis à très vite pour la prochaine. C'est bien ? Salut.